Le silence. Vous l'avez déjà écouté? Il y a 25 ans, jour pour jour, le son a disparu. Pour ma génération, le brouhaha des voitures, le sifflement des trains, les pleurs et les rires des enfants, le chant des oiseaux, tout ceci est inconnu. Les seuls mots sont ceux des livres. Alors comment communiquer quand le seul son que l'on peut entendre, c'est sa propre voix? Il a fallu s'adapter. Il a fallu réinventer. Avec Louis, dès notre première rencontre, c'était notre jeu. Écoutez et imaginez. Et puis s'aimer aussi. Sans la voix. Sans les bruits. Et sans les mots.